Enfin, le hard book de Sea of Thieves. Ah. Je le découvre autant que vous, ancien maman. Bon, ok, j'ai feuilleté un peu, mais sans plus, là. J'ai juste voulu trouver les monstres, en fait. Et là, probablement mettre à jour. Dark Horse. Le contenu. Chapitre en character, ship, environnement, creatures, equipment, iconographie. Ah, ok. Ah. Mes traductions. Les personnages. Eh, mais c'est Dixon. Ah non. Your characters. Exploration initiale. Toutes les chutes de personnages qu'il y a de faire. Oh mon dieu, il slim. Incroyable. Oh le nain. Oh, ils ont pas fait de nain. Ça a été cool. Tu sais, à la limite, comme ça, ça a été vraiment hot, là. Hein? Ah, il y a eu l'enfant de malade, là. Les perroquets! Et petite calapoche. Ça serait pas pire à avoir. L'autre avec son oncle. Oh, damn! What an haircut! Le harpon. Jeez. Quasiment nordique, lui, hein? Oh, mais lui, par exemple. Aïe, aïe. Fou. Les sortes de chez slight, big, small, tall, tough. Ah, c'est cool. Il y a une différence, en fait. Que, tu trouves un personnage qui est cool, puis tu puisses définir sa corpulence par la suite. Ça aurait été malade. Mais bon, c'était aléatoire. Tu peux retrouver un peu les mêmes caractéristiques d'un personnage que t'aimais dans des sélections précédentes, mais jamais tu vas retrouver vraiment le même, donc ça c'est un peu con. Mais bon, c'est pas nous qui font le jeu, hein. Ouais. Avec son encre. A crew of pirates scavenge supplies and wreckage ship. Ah, les tatouages aussi. What the fuck? Oh my god. Peut-être mettre un petit peu d'éclairage. Malgré que, comme on voit. Ouais. Head exploration. Dieu, sa tête! Les city group, par exemple. Oh shit! Attention! European, Asian, African, Middle Eastern. Alright. Il est pas commode celle-là. Hein? Oh shit! Une variété de pirates créée en template. Toujours cool. Hein? Ils font attaquer. Trop, il est trop cool celui-là, sérieux. Et ça doit être change in appearance, ça doit sûrement être le vieillissement puis les trucs comme ça. Parce qu'à long terme, les personnages peuvent vieillir puis avoir des traits caractériels. Avec leur antécédent. Là, je chantais pas, c'est cool, sérieusement, leur book est vraiment sick, là. Ils vous connaissent, gars. Ouais. Final exploration. Jeez. Ah, le P.
¿Pero qué? Incroyable. J'adore ce jeu. C'est une drogue. Damn. Holy crap. Watch out, everybody. Incroyable. Floating. On est tellement loin d'avoir le contenu final au niveau des vêtements, là. Sea of Plunder. Ouais. T'sais, regardez ça, c'est mon gars, là, c'est incroyable. Ah, wow. Le Samy, on est sérieux, c'est fou, là. Ah, c'est débile, là. L'Est de l'Asie, quasiment, je dirais. Ah ouais, c'est ça. East Asia. Ouais. Five Winds, les 5 vents. Bon, fait qu'on va avoir des trucs asiens aussi. Forcément, je l'espère. Ça serait très cool. Parce que mon personnage a un petit attrait. Sea of Sorrow. Traditionnel gothic design. C'est cool, ça aussi. On est loin de tout avoir vu. Ouais. Various region of the world. Ok, un perroquet. Coucou. Tu veux mourir, tu veux une banane. Les tatouages. Faites attention. Il y a un gouvernail sur son épaule droite. Il est cool celui-là. Du tout, ouais. Nice. J'aime bien les styles que CFT ils ont fait au niveau des tatouages. Très cool, gars. Version of the file showcase about the pressing page. Non-player character. Mais c'est la madame des bateaux. Potion seller. Voulez-vous qu'on en parle? Pendant un bon moment avant que le jeu sorte, en fait, dans les périodes bêta, là, si vous regardez ici, en fait, on est juste à côté, c'est censé être ici, là. La fille auquel on va porter les crânes, Order of Soul, juste au-dessus, on pense tout qu'elle a fermé l'établissement et qu'elle s'est réfugiée en dessous, mais au-dessus, c'est une fille qui vend des potions, donc j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça. C'est sûrement en développement. Parce que, bon, avoir des potions dans le jeu, ça serait intéressant. C'est des potions, peut-être pas des healing, mais pour différents attraits, je sais pas. De force, plus de rapidité, des trucs comme ça, ouais, ça serait vraiment cool. Oups. Ouais. Hey, ils sont tous contents, j'ai trouvé un coffre d'aventurier, on va fêter. Ah, ils en ont deux. Cool. Generic shopkeeper. Yeah. Merchant and traders. Cool. Ouais. Hey, le Fairy Captain! Blind Bob! Hey! Blind Bob, j'ai déjà vu! Il est dans la taverne des pirates légendaires! Ouais, c'est Bob! Ouais, juste à côté de la table quand on rentre. Ouais, le Fairy Captain est vraiment cool, ça. Fairy Shop aussi, d'ailleurs. Ouais. Lui, c'est lui qui s'occupe de la sécurité de la taverne libérée légendaire. On m'appelle Buzz la place, j'ai là. Pirate Lord! Merfolk. Alright, ok. Mermaid. Ça aussi, c'est un autre jeu quand même assez intéressant parce que là, pour l'instant, en fait, ceux qu'on prend dans la mer pour retourner sur notre bateau, qui est Mermaid, en fait, là, puis les Mermen, sont neutres. C'est pas nos alliés, ils sont neutres. Ils nous aident à retourner à notre bateau, donc ils sont comme entre ces deux-là, en fait, parce que eux, ici, sont un peu plus décadents, mais ceux-là, ici, là, sont vilains, sont méchants.
Ouais. Sur une corpulence, mais ça, ça a été défini comme quoi qu'il y allait avoir des méchants aussi, parce que je crois que dans les prochaines pages, on va voir comme quoi qu'il y a des shipwrecks avec des mermaids, même aussi. Ouais. Ah bah tiens, imagine là. Ouais. The Merfolk Lair. Comme vous voyez, ceux-là sont pas du tout pareils, là. C'est comme une évolution méchante, là. Aucune idée, peut-être que ça va être un autre sort d'event, peut-être qu'on va l'avoir dans Hunger Deep. La prochaine expansion qui va sortir. Mais jamais, ça serait vraiment intéressant. Oh mon dieu, ok, s'ils sortent des squelettes comme ça dans la prochaine expansion, on s'entend-tu que Dex, on s'en fout que ça soit des squelettes, parce qu'ils sont mongols. Non mais checker celui-là, damn! Incroyable. Oh man, c'est à moi. C'est quoi, il y a une canne sur lui ou quoi? Ok, ça, il y a un autre squelette en arrière. Un autre fucking sick là. Regardez tes chaises collectant. Ils ont un chien en tout cas. Ou un petit singe peut-être. Ah. Un mashup! Est-ce qu'on a été là? Ah, et ça aussi, hein, ce qu'on a été là. Et des hauts faits qu'on peut avoir avec. Lors des hommes qu'on va pouvoir débloquer encore. Squelette sur le bateau NPC sur la mer, hein? Qui c'est? For all violent creatures. No, so black. Yeah. As the gold hoarder creature is so strong. Gold hoarder. Ouais, peut-être que c'était ça le risque primaire du gold hoarder. En fait, c'est qui vend les quêtes, mais par la suite, ce sont des squelettes. C'est pas ça, je crois, sur les squelettes. Peut-être un pacte avec les humains, je sais pas, j'ai aucune idée. Peut-être dans un prochain contenu. Les bateaux. Bateau. Maids of the Seas. Damn. Incredible. Hey, vous avez vu? Incroyable. Exploration. Setting skills. Floating Tavern. Ok. Mais c'est le fameux sloop! Gift shop! Le fameux sloop! Tu sais, c'est là. Une voile. Et voilà. Là, on est comme une masse. Ah non, le sloop, c'est vrai, juste une voile. C'est quasiment ici. Pas vu, écoutez-le s'il vous plaît. Guardians Exploration et le fameux Galion. Ah, incroyable. Peut-être qu'ils vont parler du manoir.
ou du frigate. Peut-être. C'est pas comme ça, mais si on regarde les différentes architectures qu'on peut avoir, c'est incroyable. Parce que certes, ils l'ont fait en dessin, mais ils l'ont fait aussi dans le jeu. Si on voit pas vraiment la différence, là, c'est pas mieux, là. Reste que. Ils ont évalué toutes les possibilités. Donc, au niveau des customisations, on va sûrement avoir quand même beaucoup de choses. Et puis, pour ceux qui ont parlé des chaloupes, encore une fois, c'est un artwork, mais on sait jamais. Hein. Parce que tout est tiré des artworks. Tout. C'est ici aussi. C'est un bateau marchand. Ok, mais ça va être très cool. Dressing elephants. Big props. And a punch. Arbon. La chasse aux animaux marins. Ça serait cool aussi. Oh, damn. Sérieusement, ce canon-là, là, est juste incroyable. Je sais pas si vous voyez, là, c'est la gueule d'un poisson en fait avec l'œil qui est ici là. Non mais sérieusement c'est incroyable. Débile. C'est déjà celui dans le Ferryman là. Le bateau des damnés il est épique là. T'sais, pour l'instant on a le basic canon comme un mid-range. Celui-ci là peut-être qu'il fait une forme proche pour ici. Ou le fond de proche mais plus précis loin, je sais pas. Peut-être que ça va avoir un impact. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Mais tout ce qui est cosmétique comme ça, ce qui est intéressant, c'est que si on a des trucs cosmétiques, ben, ils peuvent pas le rollback parce que c'est pas des trucs qui font glitcher le jeu, c'est pas une interaction. Juste acheter un truc, ça se met sur ton personnage, ça termine où, ça se met sur ton bateau. C'est pas très compliqué à faire. Et c'est ce qu'il y a ce genre. Oh oui. Oh mon dieu, oui. Une parcelle de ce qu'il y a de bateau. Mais je voulais avoir le plus. Ici là. Ouais. Le Skulker, ouais, il est noir de chez noir. Là. Le plus noir qu'on avait dans les Close Beta, c'est celui-ci là. Shark, celui-là ici là. Tabarnak. Incroyable. On n'a aucun seul en ce moment des joueurs. Peut-être que je vais prendre les armes dans le bateau. C'est pas les mettre, peut-être qu'on peut les mettre pendant qu'on peut se les avoir avec les hauts faits ou c'est pas trop forcément parce que ça c'est bien passé parce que c'est pas lourd de faire. N'est-ce pas donc? Éprouve! On dirait Zeus, mais clair. Figureheads. Hé! Poitiers donc? C'est bon? Oula! Un ours! Hé! Oups! Ouais! La lumière! Trop cool! Eh hey, mais c'est pas content ça! Non, ok, j'arrête. Il aussi est cool. Je pense qu'il y en a un. Ah bah, il est ici là. Le squelette avec le shield. La fille. You wanna fight? Hein? Skull Ken version blanc. Ouais. Ouais. Pour moi, ils se sont basés sur celui-là. Pour faire le spectre. Dans un genre de kraken, sur le tête. Un perroquet, hein? Ah, mais l'ours, c'est vraiment cool. Ah, les crests. C'est ça, mes crests.
Ça aussi, ça devrait avoir une renommée. Tu sais, quelqu'un qui est d'un plus haut statut, qui a réussi à récolter plusieurs trucs, ce sera pas nécessairement plus cher, mais plus difficile à avoir avec une réputation à acquérir, je sais pas trop. Ça serait peut-être cool, là. Ah, il est tombé à l'eau. J'aime vraiment le style de dessin là. Vraiment tellement beau là. La cabine du capitaine. Captain Squares. Lower Deck. Caché pour le moment qu'il avait mis. Mais ça aurait été cool d'avoir des petits comme ça, tu sais, d'avoir un peu plus de délabrerie. Je peux dire ça, hein? Vous comprenez, hein? Oui. Captain's Cabin Props. Chaloupe. Ouais. Finishing touches. Touche finale. Ah, ce jeu est incroyable. Hey! C'est Cannon Cove. Parce qu'un petit peu là, il y a la grotte qui est là, ou presque, qui ont inséré en fait, ou peut-être qu'elle est par là-bas, même aussi, je crois. Ici, on a le gars qui est en parlé. Ouais, c'est définitivement Cannon Cove. Derrière, je sais pas si vous voyez très bien. Là. Il y a le kraken. La bête. Et il y a un petit perroquet aussi. Une banane. Ça allait se réveiller toutes les créatures qu'il pourrait y avoir. Charbait Cove. C'est Mermaids. Non, oui, oui, non. Devil's Witch. N'importe. Ça, Thief's Heaven. Non. Je sais pas. Ouais, Thief's Heaven. Ah, Smurglord. Mon île préférée. Tellement cool cette île. Thief's Heaven puis Smurglord Bay, c'est votre île préférée. The road to top from beach. Okay. So that's what it is. Eh oui. Et c'est la partie de la plage. On peut le mettre derrière. Smuggler Bay. Ouais. Crack and Rock. On a décidé de le faire comme ça. Brooks Hollow. Ouais. Mermaid's Highway. Ouais, on a décidé de le faire comme ça aussi.
Sons of the Forgotten. Non, ça, ils l'ont pas fait par contre. Non, mais cool. Damn. Maybe on the next patch. Ooh. The Dragon's Bread. We'll see. Oh my god. Shipwreck. Shipwreck encore. Parce que tout ce qu'on voit là, c'est exactement la même chose que ce temps-là. Tes bateaux étaient plus grands, ça, on voit qu'il y a un petit bateau, c'est ici là. Ici, la partie est plus grande, on peut monter là, de l'autre côté. Ici, n'importe quoi. The Wilds. Le nom donné aux endroits les plus désolés. For a second. Ok. J'ai entendu longtemps. À partir d'ici, ou à peu près, je n'ai rien feuilleté du livre. J'ai pas feuilleté tout ce qu'il y avait avant, hein, faut pas comprendre. Les sortes de plantes. Tu sais, il y a plein de plantes qu'on n'a pas encore. Skeleton Falls. Types vendor can be recognized by distinctive appearance of their stores. Ce qui veut dire que on peut distinguer chacun des stores, mais chacun des vendeurs par store. Comme ça, ici, 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 ici. Ça a tellement changé en fait depuis, puis... Hey, mais c'est mon image d'intro. Hey, c'est mon image de début. Ah, mais on met trois images. Ah, on met celle-là pour commencer. Celle-là à la fin, celle-là à l'épouse. Ah ouais, trop super. Non, je suis pas fou. Mais c'est fou, on est sur le Water Tower, Water Tank, Shop, General Shop, La Taverne, Weapon Shop. Bonjour monsieur. Boat Shop, Potion Shop, ouais c'est ça. Pas de potion. Pas de bon hein, parce que... Faut faire attention hein, parce que les potions hein, ça peut être... Abusif! Shop de parchemin. To the map trader shop.
Dernier chapitre, je crois, ou l'avant-dernier, et c'est parti. Predators and Prey. Oh mon dieu. Damn. C'est beau. Un petit Jack. Si boire! Moi je verrais un requin que j'arrache la chaîne encore là, c'est là il est de mauvais requin. Hey, des dodos! Donne-moi des frites du McDo! Et puis, tu veux une banane? Kraken, the fuck, monstrous and sand fish. The fuck. Je sais pas, je sais voir comme il est là. Merde. Serpent. Incroyable. Non mais regardez la taille du Kraken derrière. Ok, et on s'entend que là, la proportion du bateau est peut-être pas assez grande. Avec eux parce que ce qu'on est en train de faire, c'est ça, tellement de potentiel. Poison Cloud Kraken, Blind Leviathan, Twisted Kraken, Top View, Megamouth Kraken. Tellement de potentiel. La taille de son œil. What? Un musquet! Oui! Il nous en faut un! Ah ben, on en a déjà un! Mais non, en fait, c'est plus un genre de snipe qui ont mis. Peut-être qu'ils vont mettre un, mais ça m'étonnerait, ça ferait pas de sens. Malgré que s'ils mettraient demi, ce serait un peu mieux qu'un pistol, un peu moins bon qu'un sniper au niveau des dégâts. Ça pourrait être une très bonne alternative, ça serait vraiment cool.
C'est pas une. Violon! Parapapin, papin! Une pipe, ça serait cool ça. Hein? Grand chest. Ouais. Évolution de ça peut-être? Mais de part, c'est une fille qui voulait mettre. Décider de mettre un gars à place. Il est plein, comme de l'ouvre. Iconographie. Voilà les amis, la fin du hardbook.